On peut laisser des brochures un peu partout. Si tout se passe comme prévu, nous pourrons faire des livraisons aussi. J'espère qu'on pourra. Il faut acheter le four à la cuisinière avant de commencer la peinture. Nous devrions passer la commande pour ne pas perdre de temps avec les livraisons. C'est fait, j'ai un rendez-vous dès demain. Et puis aussi avant ou après ton rendez-vous. Nous pouvons chercher des tables et des chaises si nous avons du temps. Ok, on y jettera un coup d'œil. Ah ah, ça ne serait pas la voiture de Kadir, ça? Il est chez nous? Il s'est passé quelque chose? Bonjour Kadir, vous allez bien? Ah. Bonjour, est-ce que tout va bien, Kadir? Bonjour, oui, ça va, Myriam. Il y a un problème? Je viens d'apprendre une chose et ça risque de compliquer un peu le dossier. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle que vous m'avez dit que vous me raconteriez tout en détail, Kerim, hein, et que vous me diriez tout sans jamais rien me cacher. Je ne vous ai rien caché, Kadir. Je viens de découvrir une affaire qui date de 6 mois, donc 3 mois après le drame. Enfin, si mes calculs sont bons. Une affaire avec les Yassaran et Voral Namli. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez été arrêté et interrogé avec eux? Ce que Vural allait me dire était très important. C'était la réponse dont j'avais besoin pour faire avancer le cas. Tu n'as absolument rien fait ce soir-là, parce que moi j'ai tout vu. Il m'a d'abord tout avoué par téléphone, mais il avait bu. Je suis allé le rejoindre pour être sûr. Elle était inconsciente. Tu es resté à côté d'elle, c'est tout. Nous, on s'ennuyait et on est parti. On est allé se baigner et puis on s'est enfui. Mais toi, tu n'as rien fait du tout. Promis. Ensuite, les autres sont arrivés. Vural leur a tout balancé. Il a dit qu'il voulait se rendre à la police. Puis ils ont commencé à se disputer. Vural était ivre. J'étais avec lui pour l'empêcher de faire des bêtises. Mais enfin, quelques minutes plus tard, quand la police nous a arrêtés, quand Vural a commencé à leur dire des trucs incohérents, ils nous ont fouillés. Quand ils ont trouvé la drogue sur lui, ils nous ont embarqués. Vous pouvez me raconter vos histoires, peu importe. Je ne vous raconte pas d'histoire. Quels que soient les faits, ils vont raconter cette même soirée, mais de manière différente. Vous avez donné une version où vous dites que vous étiez là pour voir un ami. Il était dans un sale état, vous étiez là pour l'épauler. Parce que ce sont vos propres mots, Kerim. Ils sont écrits dans un rapport officiel, et ce sont des preuves. Vous les avez vus après le viol de cette fameuse nuit, et vous savez, tout ça, c'est dans le dossier du procès. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas du tout, Myriam. Omer et moi allons essayer de réfuter ce dossier, mais ça va être très difficile. Si j'avais eu connaissance de ça plus tôt, j'aurais pris mes précautions. Et je vous en aurais fait immédiatement parler au procureur en charge de l'affaire. S'il lui en parle maintenant, il ne va pas le croire, c'est trop tard. Bon, là, essayez de me répondre honnêtement. Après la soirée en question, est-ce que vous avez encore revu un de ces 3 individus en groupe ou seul? Oui. Je suis allé chez Erdogan pour tenter de tout régler. J'ai vu Mustapha là-bas. Ah, ça non plus, ça ne va pas nous aider. Les caméras vous ont certainement filmé alors que vous entriez dans la maison. Vural pour connaître la vérité. Crois-moi. Il faut toujours que ce soit moi qui te croie. Une fois sûr, je suis venu te voir pour te dire la vérité, tu te souviens? Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de voir le bout. Maintenant, c'est ce rapport, cette preuve. Je devrais pas espérer, ça ne fait qu'empirer. Je suis fatiguée, ça me rend même malade. Fatma Goul, ils ne vont pas s'en tirer, crois-moi. C'est bon, laisse-moi et tais-toi, d'accord? Crois-moi. Cette fois, tu sais toute la vérité. Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Y a autre chose que tu m'as pas dit? Est-ce qu'il y a autre chose que tu me caches? Autre chose que t'as oublié peut-être? Combien de fois est-ce que tu les as vus, dis-moi? C'est pour ça qu'ils voulaient que tu partes à l'étranger.
Kerim. Je crois que ça vient d'Australie, c'est un numéro inconnu. Eh bien, réponds. Qu'est-ce que je vais lui dire à ce type-là? Mais vas-y, réponds. Mais qu'est-ce que je lui dis? Je ne sais pas. Dis-lui ce que je t'ai dit. Allô? Non, je ne suis pas Moukadès. Je suis Myriam. Passe-le-moi. Allô? Monsieur Faretin, c'est moi, c'est Kerim. Écoutez, nous n'avons rien en commun à part notre nom de famille. Vous n'avez rien à faire dans ma vie. N'essayez plus jamais de me joindre ou de m'écrire. C'est compris? Vous ne vous approchez jamais de moi. Jamais! Mon père est mort. Avant que ma mère ne se la donne, est-ce que vous m'entendez? Il est mort quand il est parti et qu'il n'est jamais revenu. Je ne veux pas voir votre tête, monsieur. Aussi longtemps que je vivrai, vous avez intérêt à me montrer du respect. C'est la moindre des choses à faire. Je ne veux pas de vous dans ma vie. Il me dit, fais-moi confiance. Il me dit, nous aurons de beaux souvenirs et nous oublierons par là même les mauvais. J'avais envie de le croire. Et puis là, j'apprends autre chose. Quelque chose qu'il m'a caché. Je lui avais tout pardonné jusqu'à présent. La confiance, c'est important. C'est même plus important que d'aimer quelqu'un. Si les jours heureux sont devant nous et que nous essayons d'oublier les mauvais souvenirs ensemble, nous y arriverons. Regarde, Kerim accroche l'enseigne. On n'a pas encore choisi le nom? Rose Cuisine. Il l'a choisi, il faut croire. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'enseigne? C'est vraiment très joli. Est-ce que ça te plaît? Je l'aime pas, je peux changer le nom, bien sûr. Je peux écrire ce que tu voudras. Ne change rien, c'est magnifique. C'est magnifique, Kerim, c'est magnifique. Rose Cuisine. Super bon. Essaye les feuilles de vigne farcies. Tu ne vas pas en revenir. Oui, je vais les goûter. Rami, on va les mettre sur la table. Bien, bien, je m'en charge alors. Fais attention de ne pas mettre de terre sur les tables. Ok, ok. Fatma Ghoul, c'est pour toi. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Enfin, toutes les deux. Regarde, Rose Cuisine est tout à fait différent. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. L'endroit a été touché par la grâce. C'est aussi grâce à Myriam. T'es mignonne. Myriam. Est-ce que c'est pour moi? Je sais que je t'ai blessé au plus profond de toi, que tu as pleuré. Je suis désolé. Ne t'embête pas avec toutes tes excuses, Kerim. Je suis aussi responsable. Tu es tellement importante pour moi, pour nous tous. Il faut que Rose Cuisine ne soit remplie que d'amour. Je l'espère. Les clients ne devraient plus tarder. Alors on va terminer la cuisine.
Bon, venez. Il faut que ce soit terminé avant midi. Venez.